Et ciao tutti! Je suis très content de vous retrouver. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé depuis notre absence. Let's go! Donc là, je viens de rentrer de chez le cuisiniste. On vient de valider notre cuisine après 3 rendez-vous à peu près. Et je vais vous filmer dans la maison. Ils ont enlevé tous les étés, on le voit derrière moi. Allez, je vais vous faire un petit topo sur notre cuisine. Alors, dans l'idée, c'était de faire plusieurs cuisinistes courant l'été pour avoir à la rentrée le plan technique pour pouvoir le donner à l'électricien et au sanitaire. On est donc allé voir un premier cuisiniste un samedi avec ma femme et on est resté pratiquement 4 heures pour valider les couleurs, l'électroménager et échanger sur nos idées d'emplacement. On s'est très bien entendu avec le concepteur, il a vite compris ce qu'on souhaitait. Alors on a choisi ces couleurs pour les façades, un mélange de kaki et de bois et des poignées en doré et pour le plan de travail, une imitation marbre. Le mercredi d'après, ma femme est retournée, là le concepteur lui a présenté les plans de la cuisine et ils ont un truc qui est top, c'est un casque pour pouvoir se balader virtuellement dans la cuisine. Donc elle a effectué les modifications et moi je suis retourné le vendredi pour apporter les derniers changements, négocier le tarif et valider du coup la cuisine. Alors finalement on est resté que sur un cuisiniste. Alors pourquoi? Parce qu'on était content de leur job et en plus ça rentrait dans notre budget. Et ciao tutti, aujourd'hui je suis avec mon père, on va tailler les tuyaux qui sont derrière le garage parce que lundi, là on entend, parce que lundi on aura donc l'échafaudage qui va être mis, la toiture sera mise la semaine prochaine et on va garder l'échafaudage pendant 4 mois à peu près, histoire d'économiser un petit peu d'argent et l'utiliser pour la toiture, la zinguerie, la couverture et la façade. Regardez. Donc c'est les tuyaux qui sont juste là derrière le garage. Et ciao tutti, ce matin, lundi 18 juillet, j'ai rendez-vous sur le chantier avec mon pote Vince pour faire un petit point sur la maison et s'organiser sur le futur planning. On a également rendez-vous avec l'entreprise pour la mise en place de l'échafaudage. Allez, je vous montre ça direct. Toes, I do it every day for my brothers. Brothers.
seeing a nigga move on. Dinner with a sinner, now your pockets getting pat down. Smack down, thought you was that nigga, you a class clown. He thinking he bigger, bet this metal make him back down. Leader of the rebels, I might send him to attack now. Sleepless at night, I feel all alone. Throwing well wishes into my phone. Maybe I've been well wishing on my own. Maybe I'll be better. Et ciao tutti, ce matin je vais tailler toutes les haies qui sont là, on va les tailler vraiment à ras, je vais vous expliquer pourquoi. Donc ici les tuyas, ils ont été plantés en limite de propriété entre l'ancien propriétaire et le voisin, donc déjà je peux pas les arracher, d'autant plus on le voit au fond, le voisin a mis des brise-vues et les a fixés sur ses troncs. C'est des tuyas qui ont été plantés après les années 85. Donc, vous imaginez la taille qu'ils ont. Là, ils font plus de 2 mètres, 2 mètres 50 sur quasiment 10 mètres. Donc, dans l'idée, c'est vraiment de les couper à ras et on verra après à l'automne ou au printemps prochain pour mettre une nouvelle haie. Là, on le voit au bout. Mon père, lui, va tailler la haie de tuya sur sa hauteur. Pour ça, j'ai trouvé là il n'y a pas longtemps au Lidl de la marque Parkside une tronçonneuse. Alors je suis pas un grand bricoleur, on va voir si ça fait l'affaire. Elle est sur batterie de 20 volts. Je vais vous dire ça tout de suite. Allez, petite pause fraîcheur, il fait déjà plus de 30 degrés, je vais vous montrer comment ça se passe. Bon, bilan sur la tronçonneuse Parkside, alors franchement ça fait vraiment l'affaire, même sur les troncs un peu plus gros ça fait vraiment l'affaire. Par contre je suis un peu bloqué parce que les deux batteries que j'ai c'est des 20 volts, elles sont à plat. Donc je vais commencer moi à faire un petit tas, ranger et prendre le coupe-haie pour commencer à faire des petits tas. Pick up your dirty clothes forever and never. I'll know you'll get better, but I think that you're fed up. Been trying to get all my bread up so I can get all dressed up. I'll pick up your dirty clothes and I'll get you one of those. Girl, you know I'll be with you through the highs and the lows. I gotta take you to one of my shows. I'll give you a rose. Darling, you know you are one of my woes. I'll pick up your dirty clothes. Et voilà, vu d'en haut ce que ça donne. On a bien bossé. Il manque juste cette partie juste ici.
Allez, on arrive sur cette fin de cet épisode et je pense que vous avez remarqué quelque chose, c'est qu'on n'a pas la toiture. C'est donc le premier couac entre guillemets du chantier. Alors je vous explique, on aura donc une maison avec un toit 4 pans et tout à la base, on a donc dessiné le toit avec une pente entre 30 et 35 degrés. Et lors de la validation du permis de construire, la mairie nous a demandé une pente à 45 histoire d'avoir une harmonie avec les maisons autour. Il y a donc eu une incompréhension entre nous et le charpentier qui était resté lui sur une pente à 35 degrés. Donc en soi c'est pas très grave, sauf qu'on est dans une période de congé annuel et forcément pour rectifier c'est plus compliqué et donc on perd un petit mois sur le projet. Allez, on va relativiser, en soi il y a pire dans la vie, c'est sûr qu'on a tellement envie que le projet avance et qu'on est forcément déçu quand on l'apprend et qu'on doit décaler le futur planning. C'est ça aussi l'aventure qu'on souhaitait vous partager, les bons moments comme les plus mauvais. Allez, on va continuer ensemble cette aventure et comme d'habitude, je vous dis ciao tutti! Pick up your dirty, pick up your dirty clothes.